Je vous présente mon nouveau professeur qui est avec moi pour quelques semaines. Chanceuse, c'est moi qui décide le nombre de temps qu'il va être avec moi. Donc, sans plus tarder, voici professeur Bijou. Donc, Bijou, c'est un cacataès qui a une vingtaine d'années avec lequel je vais travailler, mais j'aime mieux dire que ça va être lui mon professeur, ça va être mon enseignant. Il va me le dire quand je vais faire des erreurs. Donc, un mâle qui a surtout des problèmes d'agression. Fait que la plus grande difficulté, c'est de déterminer le déclencheur de l'agression. Fait que je me disais, bon, on sait souvent, les agressions, c'est un peu fondé sur de la peur. Des fois, l'animal, il montre un certain inconfort. Mais j'avais pas imaginé qu'il allait avoir autant peur. Puis elle est autant inconfortable avec ma présence. Donc, je trouve ça quand même intéressant. Chaque individu est différent. Chaque oiseau a vraiment sa propre personnalité. Puis c'est comme toujours une surprise. Puis c'est toujours le fun de travailler là où l'animal est rendu. Parce que c'est pas moi qui décide la vitesse. On est aujourd'hui au jour 4. Et on n'a pas commencé les manipulations au travers du contact protégé. Ça, c'est un contact protégé. Quand il est dans sa cage, donc lui, il est beaucoup plus à l'aise comme ça. Moi aussi. Parce que ça me permet d'apprendre à le connaître. Fait que je vous parle dans cette vidéo-là, pour commencer, je vous fais les 5 astuces pour développer la confiance entre vous et l'oiseau. Donc, comment développer une relation de confiance puis la conserver? Ça, c'est mes trucs à moi. La première étape, c'est bien évidemment comme la fondation de tout. Vous devez apprendre à connaître le langage de l'oiseau en face de vous. C'est trop important. C'est quelque chose qui se fait sur du long terme. T'sais, on n'apprend pas ça en 2 jours. Puis ça continue, puis c'est comme ça change dans le temps. L'oiseau va grandir, l'oiseau va avoir d'autres apprentissages, l'oiseau va changer. C'est pas parce que c'est un adulte qu'il est figé puis qu'il peut plus comme apprendre. Donc, c'est vraiment important que vous preniez le temps au début d'être très observateur de l'animal. Et là, c'est pas de s'installer, coller sur la cage, puis de le regarder de même. Ça va le stresser, ça sert à rien. Il y a des oiseaux, en fait, qui vont aimer ça. Mais ce que je veux dire par apprendre son langage, c'est commencer au travers des barreaux de la cage, lui proposer des petits comportements, voir comment il réagit. Puis ça va vous permettre de prendre vraiment confiance. Puis lui aussi, il sait que vous ne pouvez pas l'atteindre. Puis, il est capable de vous montrer un peu bon, ben, comment lui réagit avec telle situation. Si j'avais pas pris le temps d'observer le langage corporel de Bijou, ben, je serais allée trop vite. J'aurais peut-être même ouvert la porte de la cage de les premières journées, j'aurais essayé de le prendre, alors que ce qu'il me disait, c'était assez clair, c'est « je suis pas confortable, j'ai peur de toi ». Il levait sa crête, il crachait quand j'approchais, il se cachait derrière ses jouets comme s'il était comme invisible. Il n'acceptait pas les récompenses, donc j'allais pas lui porter alors qu'il était le plus loin possible de moi dans sa cage. Je les déposais dans son bol, puis j'attendais de voir est-ce qu'il va venir les chercher si je reste proche. Puis la réponse au début, c'était non. Je devais juste m'éloigner, faire autre chose, puis là, il a fini par venir les chercher. Puis éventuellement, il s'est rapproché, puis il est maintenant capable d'être proche de moi, puis même il va rechercher un contact. Donc on commence vraiment à avoir bien fait notre association, on est en conditionnement classique, on est des émotions, on change l'émotion de la peur pour une émotion comme d'anticipation, là, que « ah yes, quand elle est là, je reçois des choses que j'aime ». Puis ça, c'est justement l'étape numéro 2, où vous devez créer une association positive à votre présence. Donc à chaque fois que j'arrivais, je déposais des récompenses, une ou 2 max, là, une petite graine de tournesol, c'est en masse, des choses que je sais qu'il aime, je les déposais dans son bol de nourriture à chaque fois que j'arrivais. Fait que quand j'apparais, il y a des choses le fun qui apparaissent. Au début, ça m'indiquait vraiment qu'il n'était pas confortable avec ma présence parce qu'il n'allait pas les chercher. Ensuite de ça, il venait les chercher de plus en plus rapidement, puis éventuellement, j'ai pu tester, dans le fond, ses préférences. J'essaie plusieurs types de récompenses. Évidemment, j'utilise les récompenses alimentaires, parce que les récompenses tactiles, verbales, ou les louanges, les caresses, c'est des récompenses, dans le fond, des renforçateurs, qu'on devrait dire, qui sont appris ou conditionnés. Puis dans notre contexte, il ne me fait pas confiance. Ça ne sert à rien d'essayer d'utiliser ça. Ça va faire l'effet contraire. La 3e étape,
c'est de donner du contrôle à son oiseau. Si votre oiseau vous dit qu'il n'est pas confortable, comme lui, si je m'approche puis qu'il se recule, je me recule. Ça ne sert à rien de forcer. On va des fois entendre « reste à côté de lui jusqu'à ce qu'il se calme » et lorsqu'il va se calmer, on se retire. C'est pas du renforcement positif parce que tout ce qui est un aversif, donc tout ce qui est quelque chose que l'oiseau voudrait fuir ou éviter, ça entraîne des conséquences négatives, soit l'agression, la peur généralisée, des comportements de fuite-évitement ou de l'apathie. Vous ne pouvez pas vous en sortir, c'est sûr qu'il va y avoir une de ces quatre choses-là qui va apparaître. Et là, j'ai un oiseau qui a des problèmes d'agression. Je vais faire attention à ne pas utiliser d'aversif parce que ça augmente les risques d'agression, tout simplement. Donc, s'il est inconfortable, je lui dis pas de problème. Pourquoi je veux lui donner du choix? Ben, s'il est capable de parler avec son corps, s'il me communique, pas verbalement, mais physiquement, il n'aura pas besoin d'aller plus loin. Il va se dire « OK ». Quand je me gonfle, quand je crache, elle se recule. Pas besoin d'agresser les barreaux, de sauter dessus, il n'y aura pas besoin de me mordre. J'ai compris le message sans qu'il y ait besoin comme de crier. La quatrième étape, c'est ce que je vais travailler avec Bijou pour les prochains jours. C'est lorsqu'on est prêt à commencer un peu l'enseignement, le travail avec lui, c'est de lui enseigner les comportements essentiels en captivité. Donc pour Bijou, ça va être important d'apprendre une station. Fait que je vais lui apprendre à rester sur un perchoir alors que j'ouvre les portes, que je la ferme, que je touche les bols. Donc lui, comme il a des comportements agressifs puis qu'il a de la difficulté quand on touche son environnement, il va savoir quoi faire à la place pour avoir quelque chose qu'il aime. Il faut que ça soit motivant. On ne peut pas juste dire « reste sur ton poteau, reste » en espérant qu'il va juste rester. Pour rien, pour nos beaux yeux, tu sais. C'est pas comme ça que ça marche. Fait que lui, je vais lui apprendre des comportements essentiels qui vont aider à ses problèmes. Donc lui, il a un petit peu de problème d'autocontrôle. On va travailler là-dessus, on va travailler sur rester à certains endroits malgré les distractions, malgré des choses des fois qui le rendent inconfortable, tout en étant toujours sous le seuil. Donc il va falloir trouver le seuil d'agression, à quel moment ça fait comme puis on reste en dessous de ça, parce qu'évidemment, c'est demander un miracle. Puis des miracles que... Je ne suis pas dans ce département-là, malheureusement. En dernier lieu, soyez le porte-parole de votre oiseau. Si vous voulez qu'il vous fasse confiance, soyez la personne qui dit « Non, là, mon oiseau est inconfortable, je te demande de reculer. » Soyez la personne qui ne le met pas dans des situations où ce que l'oiseau n'aime pas ça. Vous êtes la personne qui le connaissez le mieux. Vous avez développé une relation avec lui. Maintenant, il devrait se sentir en sécurité quand vous êtes présent. Il devrait pouvoir faire comme « Ah, pas besoin d'attaquer les invités. Elle, elle gère à ma place. » Thank you.